Ngai na tambola ki mokile paine pai koluka omeni. Na kota ki bana. Chapitre 1er, verset 8, un verset que beaucoup d'entre nous le connaissent. La Bible nous dit ceci: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ok, je relis encore la parole de Dieu. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. La Bible nous dit ceci: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé le Seigneur, nous devons savoir que non, il y a un temps où les disciples de Jésus-Christ devaient aller commencer leur mission. C'est comme tout un chacun de nous. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ parce que nous avons accepté de devenir des chrétiens. Nous avons accepté de Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Alors, quand nous l'acceptons dans nos vies, quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, ce n'est pas simplement pour aller à l'église. Ce n'est pas simplement pour dire aux gens que nous, je suis chrétien. Non. Il y a un temps où tu dois commencer à exercer quelque chose pour Jésus-Christ. Tu dois commencer à glorifier son nom. Ça veut dire à annoncer la bonne nouvelle, à faire l'évangélisation, à gagner les âmes pour l'église, à gagner les gens pour les royaumes de Dieu. Quand je parle de gagner les âmes pour l'église, ce n'est pas pour amener les gens à votre bâtiment, non. C'est pour les amener vers Dieu, les enseigner la parole de Dieu, les exhorter. Alors, ici, notre Seigneur Maître Jésus-Christ dit à ses disciples, les disciples qui étaient à ce temps-là avec lui, parce qu'ici, il leur parlait juste après sa résurrection, ou même pas pendant le temps qu'il devait commencer leur ministère, lorsque Jésus-Christ est ressuscité et il devait maintenant monter vers le Père, parce que les disciples, ils étaient enfermés. Et Jésus-Christ leur a dit ceci: vous devez recevoir une puissance. Et au travers de cette puissance-là, c'est ça qui va vous aider, vous permettre de commencer à annoncer la bonne nouvelle. Mais ces gens-là, ils ont commencé à rencontrer des persécutions, des problèmes. Ils ont commencé à avoir des problèmes avec le monde. Alors, pourquoi les disciples, ils avaient commencé à avoir des problèmes, ou ils ont eu des problèmes, la persécution? C'est simplement parce que ils n'avaient pas encore obéi à l'instruction de Dieu. Et c'est quoi cette instruction? C'est qu'ils devaient aller prêcher la bonne nouvelle. Comme il est dit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15, que vous devez aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais vous allez voir que l'église, c'est comme si l'église était en paix à Jérusalem. L'église était dans le confort à Jérusalem. Donc, ils se bénissaient les uns aux autres. Ils priaient toujours, ils étaient là en train de prier et faire toujours les choses, entrer. Mais ils n'avaient pas encore obéi à l'instruction du maître d'aller partout dans le monde, partout le monde, et prêcher la bonne nouvelle. Il les a dit que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc personne d'entre eux, ils avaient encore pensé d'aller dans tous ces lieux-là, dans toutes ces villes-là, dans tous ces endroits-là, pour annoncer la bonne nouvelle. Ils se bénissaient les uns aux autres, que Dieu te bénisse, comme on voit aujourd'hui. Que ma sœur, que Dieu te bénisse, mon frère, Dieu te bénisse. C'est comme si nous limitons simplement là. Or que nous devons aller vers des gens qu'on ne connaît pas pour les apporter la bonne nouvelle. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, il y a des fois des problèmes qui nous arrivent, où il y a des situations qu'on voit que ça ne fonctionne pas bien comme il faut. C'est simplement parce que nous avons souvent
l'habitude d'attrister l'esprit du maître. Nous avons souvent l'habitude d'attrister le Saint-Esprit. Et ça nous amène à des problèmes. Et nous avons des persécutions. Simplement parce que il y a des moments où quand tu commences à négliger l'œuvre de Dieu, l'esprit du maître commence à quitter ta vie. L'esprit de Dieu quitte ta vie. Et quand l'esprit de Dieu quitte, automatiquement l'esprit de l'ennemi commence à prendre le contrôle. Et quand l'esprit de l'ennemi, le diable, commence à prendre le contrôle, tu verras que non, tu vas commencer à faire toutes choses que par toi-même. Tu feras ce que tu veux. Et non ce qu'il faut faire. Car ce qu'il faut faire, c'est ce qui est pour la gloire de Dieu. Mais ce que toi tu veux faire, ce qui est pour ta gloire ou pour tes propres sentiments. Mais nous devons retourner dans la parole de Dieu et revenir dans son œuvre. Il est temps, bien-aimé le Seigneur, de revenir dans l'œuvre de Dieu et de le faire comme il faut le faire, de faire ce qu'il faut faire pour la gloire de notre Maître. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vous pouvez lire aussi le livre des Actes, chapitre 2. Parce que là, nous avons lu Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous pouvez relire aussi chez vous Actes, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Que Dieu soit béni. Nous sommes toujours sur Shiloh TV, notre programme L'École du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Na zoela ko